quelle que soit leur localisation sur le continent européen, nos musées, théâtres, centres d'art, festivals donnent sur la mer Méditerranée. Nos institutions donnent sur ce berceau de notre civilisation, espace d'invention de nos écritures et de leur métissage sans fin, lieu de mémoire des textes, chants, souffles traversant tant d'œuvres qu'aujourd'hui nous mettons en partage. Les parvis qui mènent jusqu'à nos bâtiments donnent sur la haute mer et les naufrages incessants qu'elle connaît. Et il n'est pas une seule de nos scènes qui n'ait récemment fait retentir l'ampleur et la portée de cette tragédie, l'une des plus sourdes et terrifiantes des temps présents. Mais plus fondamentalement encore, il n'est pas un seul de nos cahiers des charges qui n'énonce quasi littéralement la promesse que sur cet horizon maritime, il en soit tout autrement. Nous assumons comme mission de service public, par le soutien au renouvellement incessant de la création, la perpétuation du fait civilisationnel, c'est-à-dire de tout ce qui nous relie. C'est l'une des singularités de nos architectures. Ici, les portes ne veulent tenir à distance quelque altérité que ce soit, mais s'ouvrent grand sur l'humanité que nous avons toutes et tous en commun. C'est ce qui fait l'impérieuse nécessité des lieux dont nous avons la responsabilité. Rien d'autre que les œuvres, qu'elles soient écrites, dansées, exposées, chantées, projetées, performées, comptées, ne portent cette vitale ambition de nous faire respirer ensemble. Quelles que soient nos provenances et les idées que l'on se fait de nos destinations, alors sans doute que chacune de ces œuvres nous rappelle à la mer Méditerranée, cette mer entre les terres, cette étendue qui relie les rives avec une infinie beauté, cet horizon qui fait notre respiration, que la mort par asphyxie qui s'y déploie comme un programme anéantit tout ce que nous portons et ce qui nous porte. Un collectif se présente aujourd'hui à nous avec dans les bras la maquette au centième d'un navire et en tête l'idée que nous puissions en soutenir la réalisation à échelle 1 et inaugurer alors ensemble ce catamaran de 69 mètres de long un beau jour de 2025. Il s'agit de la maquette du navire Avenir, premier navire d'une flotte mondiale de sauvetage en haute mer, outil pionnier d'intervention imaginé notamment avec marins sauveteurs, rescapés, soignants, architectes, juristes, chercheurs et étudiants d'écoles d'art, de design, d'architecture, d'Europe entière. Il s'agit d'une œuvre à réaliser en mer Méditerranée, d'une œuvre agissante, non seulement pour soutenir les gestes de sauvetage et de soins, mais pour les faire se perpétuer en contribuant à leur inscription au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Il s'agit d'un ready made pour le 21e siècle, échappant à l'infinie répétition des formes d'indignation et de déploration, nouant une relation affective et effective avec le monde. Il s'agit d'une œuvre commune, sans autre origine que celle d'un appel du lointain, de la haute mer comme des générations futures qui connaîtront des mouvements migratoires au centuple et auront le besoin vital que ces gestes de sauvetage et de soins leur aient été transmis. Il s'agit d'une œuvre composée d'acier, de droit, de textile, de signes, de langues et de voiles, qu'un collectif sans bornes ni frontières porte, non par la force d'une intention géniale, mais par celle d'une intention cruciale. Il s'agit d'une œuvre parente des œuvres ayant jusqu'alors hurlé la douleur et la colère, non une de plus, mais une prolongeant mille autres en acte. Il s'agit d'une œuvre non pas portée par tel ou tel de nos lieux, consacrant l'audace de certaines et certains d'entre nous, mais dont la portance exige le nouage de nos établissements et la convergence de nos directions. Il s'agit d'une œuvre qui vient du rivage, trouvant attache et protection renforcée dans nos institutions assemblées, et qui revient au rivage, consolidant par les faits nos convictions que tout ce qui doit advenir peut un beau jour advenir. Il s'agit d'une œuvre collective en appelant d'innombrables, en cela qu'elle ouvre à la création de tous les refuges de haute mer et de tous les havres sur terre ferme qui ne cesseront de manquer. Il s'agit d'une œuvre qui rend pensable et possible la nécessaire amplification des gestes de l'hospitalité vive,
de ce à quoi l'on tient, de ce qui fait et fera tenir notre humanité. Il s'agit d'une œuvre à la splendeur de ce qui vient, d'une œuvre donnant à la création artistique comme à la construction de l'Europe un nouvel horizon de toute beauté. Pour ces raisons au moins, il s'agit d'une œuvre que nous inscrivons au programme des institutions que nous dirigeons et dont nous soutenons avec détermination la réalisation. Le 18 avril 2015, en début de soirée à Rome, le service de coordination des sauvetages en mer Méditerranée repère une fusée de détresse, tirée à 193 km au sud de Lampedusa. Non loin, croise le King Jacob. Porte-container, battant pavillon portugais, immense bâtiment de 160 mètres de long. Son commandant, immédiatement informé, change de cap et dirige le navire vers le point géolocalisé. La mer est mauvaise, le porte-conteneur n'est à l'évidence pas conçu pour une telle intervention. Dans la nuit noire, la collision a lieu avec l'embarcation en péril. C'est un chalutier de 27 mètres de long. Il sombre en quelques minutes. Seules 28 personnes sont sauvées, dont celle qui, quelques jours plus tard, réalise ce dessin, décrivant le drame. À 370 mètres de profondeur repose l'épave. Les autorités italiennes diligentent plongeurs et médecins légistes quelques jours plus tard. Ils découpent une fenêtre visible à l'image pour accéder à la cale de l'épave. Des corps innombrables sont entassés là. Ils sont remontés à la surface, puis acheminés sur la côte sicilienne, dans la petite ville d'Augusta. De petits sacs de terre sont retrouvés dans certaines poches, sans doute un souvenir du pays quitté. Sur la poitrine de certains enfants, cousus dans l'épaisseur de leurs vêtements, on découvre des bulletins scolaires, preuves et promesses de leur réussite. Les médecins légistes travaillent un an et demi, jusqu'à l'été 2016, pour identifier 900 personnes environ, venues d'Afrique entière. Ce sont donc les victimes du plus grand naufrage du XXIe siècle. Matteo Renzi est alors président du Conseil italien. 6 mois plus tôt, le 31 octobre 2014, faute de soutien européen, il s'était résigné à mettre fin à Mare Nostrum, opération humanitaire qui, en un an, avait permis de sauver la vie de plus de 100 000 personnes. Il en coûtait alors 9 millions d'euros par mois, à la seule Italie. Absolument défaillante, l'Europe trouvait néanmoins les moyens, dès le 1er novembre 2014, de lancer Triton, programme de l'agence Frontex visant à protéger les frontières extérieures de l'Union, et ce, sans le moindre mandat humanitaire. En avril 2015, Matteo Renzi déclare alors que ce naufrage au large de Lampedusa n'est pas seulement celui d'une embarcation transportant des centaines de personnes, mais aussi celui de l'Europe tout entière. Il promet d'extraire l'épave des fonds marins et de la déposer pour l'exposer à Bruxelles. Des moyens extraordinaires sont effectivement mobilisés pour tracter l'épave jusque sur terre, mais on la garde d'abord en Sicile, à Augusta, où la plupart des disparus ont trouvé sépulture depuis 2016, où une association se constitue en 2017 en vue notamment d'installer ce qu'il reste du petit chalutier dans un futur jardin du souvenir. Quelques temps plus tard, Christophe Burrell, artiste islando-suisse, obtient de cette association et des autorités italiennes le prêt de cette épave pour l'acheminer jusque sur le quai du bassin de l'Arsenal à Venise, où elle se dresse le 11 mai 2019, jour d'ouverture de la Biennale internationale d'art contemporain. Ceci est un ready-made monumental, un fragment du monde surexposé sur la plus grande scène internationale de l'art contemporain. Une épave devenue œuvre par l'effet notamment de la signature d'un artiste reconnu
est connu pour ses provocations politiques. Cet artiste donne alors à son œuvre un titre, Barca Nostra, référence explicite à Mare Nostrum. Relique du désastre, Barca Nostra est décrite par Paolo Baratta, président de la Biennale, comme une invitation au silence et à la réflexion. Très peu de silence en réalité, mais beaucoup de bruit provoqué par cette œuvre majeure de la Biennale 2019. Il en est pour déplorer l'obscénité de cette surexposition du drame, d'une foire culturelle faisant commerce de l'inimaginable, de centaines de vies perdues. Il en est pour vomir le supposé cynisme de l'artiste, figure dressée sur les ruines, avec pour seule conséquence effective sa propre gloire. Il en est pour encenser une pièce magistrale, désignant l'absence criminelle de sauvetage, accomplissant le projet de colère de Matteo Renzi, hurlant le naufrage de l'Europe. Il en est pour célébrer cette pièce inscrite dans une certaine tradition contemporaine de l'indignation féroce, et pour affirmer donc qu'une œuvre faisant si magistralement lumière sur la violence contribue à la combattre. C'est qu'innombrables sont les œuvres qui, sur les cimaises, sur nos écrans et sur nos scènes, dans les biennales du monde, poursuivent ce même programme prétendument radical, surexposer les preuves du désastre, suivant l'hypothèse que c'est ainsi lui faire face et le faire cesser bientôt. D'après l'ONU, 27 000 personnes sont mortes noyées en mer Méditerranée depuis 2015. D'après l'ONU toujours, 2 800 personnes ont disparu depuis le début de cette année 2023. Soit tous les trois mois, depuis janvier dernier, un naufrage de l'envergure de ce plus grand naufrage du XXIe siècle. Malgré Barca Nostra, malgré tout ce que l'on a vu, su, entendu, d'effroyable sur nos scènes, écrans et cimaises, rien n'a donc cessé. En 2012, nous créons le collectif Pérou avec le jardinier Gilles Clément. Gilles Clément est d'abord un botaniste, selon lequel il n'y a pas de mauvaises herbes, mais que des mauvaises nomenclatures, que des mauvaises manières de nommer les choses, les êtres, le monde. Gilles Clément est un inlassable ouvrier dont le geste quotidien, au beau milieu du jardin en mouvement, pluriel, conflictuel, débordant, consiste à donner force et splendeur à ce qui se présente, à soutenir et accompagner toutes les formes et les forces de vie. Tel est le programme du Pérou. Au beau milieu des situations de péril où depuis 10 ans nous nous efforçons d'œuvrer, à savoir relever, comme le dit si bien le verbe de l'anthropologie, ce qui, au milieu du désastre, n'est pas de l'ordre du désastre. Et avec nos outils d'architectes, designers, graphistes, plasticiens, juristes, créateurs sonores, chorégraphes, photographes, écrivains, cinéastes, comédiens, lui faire de la place, en augmenter la présence au monde. C'est un régime politique et esthétique de l'affirmation qui gouverne nos actions. Cesser d'archiver les preuves du désastre, donc, mais faire l'archive retentissante de ce à quoi tient notre humanité pour en consolider la tenue. De l'hospitalité vive, donc, pour en soutenir la venue, infiniment. En 2015, nous sommes à Calais et tenons répertoire en images, textes, dessins de tout ce qui s'invente, s'affirme, se construit, de matériel et d'immatériel. Nous rassemblons ces preuves dans un recueil, l'Atlas d'une cité potentielle. Nous en tirons en 2017 un petit texte, des actes, un inventaire factuel, des gestes quotidiens de soins, d'accueil, de fraternité, relevés, à Calais et tout autour. Un registre de gestes porteurs, comme il est dit de certains murs en architecture. Une cartographie de tout ce à partir de quoi il nous faut savoir construire. Ce texte prend la forme d'une publication orange, ici tendue à proximité de l'Aquarius, navire de SOS Méditerranée en 2017, pour dire l'interdépendance des gestes terrestres, consignés dans l'ouvrage, et maritimes, non encore décrits. Tous ces gestes ont mauvaise réputation. On ne devrait pas avoir à les tenir, déclarent certains militants, laissant entendre que ces gestes ont lieu à défaut de véritable politique, ce qu'ils ne seraient donc pas. Ils relèvent d'un néocolonialisme increvable, accusent certains intellectuels de gauche, n'y voyant qu'une dissymétrie déplorable, des sauveteurs héroïques d'un côté, des sauvés passifs de l'autre. Ils font appel d'air provoquant notre grand remplacement, hurlent une extrême droite bâtissant ses succès électoraux sur cette seule folle idée. Ils sont passibles d'une peine d'emprisonnement, dispose l'article IL 622-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, établissant le dit délit de solidarité, article cassé en partie par le Conseil constitutionnel en juillet 2018,
mais toujours effectif dans nombre d'actions policières à Paris comme à Calais. Ces gestes sont empêchés, réduits, sinon détruits, par des rumeurs, des textes, des procédures, de toutes parts, alors qu'ils sont d'une portée extraordinaire pour nos enfants, qui connaîtront au centuple des mouvements migratoires du fait des bouleversements climatiques, sanitaires, géopolitiques que nous savons. Décrire et nommer tout autrement ces gestes, c'est le projet que nous conduisons à Rome, à la Villa Médicis, à partir de 2019, année d'exposition de Barca Nostra. Ici, avec des réfugiés, des artistes, des chercheurs, nous nous saisissons du formulaire ICH-01 de l'UNESCO et ouvrons une instruction visant à faire inscrire ces gestes au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. En bonne et due forme, il s'agit d'argumenter, de dire la portée et la beauté de cette hospitalité vive, de détailler les menaces qui pèsent sur elle de toutes parts. Le formulaire exige aussi de rassembler 10 images fixes que nous recueillons d'Europe entière et avec lesquelles nous traversons la ville le 10 juillet 2020 pour les déposer dans le plus grand squat de Rome, Spin Time, que nous rebaptisons alors Musée en acte des actes d'hospitalité. La procédure exige que nous définissions un plan de sauvegarde permettant donc de protéger ces gestes et de les transmettre aux générations futures. Alors nous décrivons les plans d'une action terrestre et maritime, d'une politique de l'hospitalité vive, non pensée comme un crime ou un délit, évidemment, pas davantage comme un devoir commandé par quelque culpabilité que ce soit, mais comme un trésor à transmettre. Alors nous déclarons notamment la nécessaire création d'une flotte mondiale de navires extraordinaires, de bâtiments pionniers conçus à partir des gestes des marins sauveteurs, permettant de les soutenir au présent, de les faire se perpétuer. Des navires conservatoires de ces gestes en somme, des bâtiments archives de leur présence et de leur devenir. À l'été 2020, nous commençons par créer ceci, la plaque d'inauguration du premier bâtiment de cette flotte qu'il nous faudra destiner à la Méditerranée, mer la plus meurtrière du monde aujourd'hui. Et dans le même mouvement, nous constituons un comité scientifique composé de rescapés, notamment des membres de l'association des usagers de la PADA à Marseille, de marins sauveteurs de SOS Méditerranée, de membres de pilotes volontaires, de soignants des hôpitaux de Marseille. Ces experts du sauvetage et du soin nous décrivent alors ce navire manquant, chacune de ses pièces, chacune de ses caractéristiques, établissant un cahier des charges appelant un chantier de recherche et de création tentaculaire. En juin 2021, autour de l'architecte naval Marc Van Petegem et du designer Marc Ferrand, nous réunissons des concepteurs, des chercheurs, des étudiants d'Europe entière pour mener à bien ce programme de recherche et de création. Cuisiniers, soignants, juristes, graphistes, designers, architectes, créateurs sonores, ingénieurs, écrivains, typographes. Nous sommes aujourd'hui 500 à avoir imaginé, conçu, dessiné l'avenir à l'occasion d'ateliers organisés en France et en Italie. Nous sommes aujourd'hui 500 à avoir réalisé des prototypes à échelle 1, à avoir expérimenté certains éléments du navire, comme aujourd'hui même, à bord de l'Ocean Viking de SOS Méditerranée, où sont proposées aux rescapés des recettes à base de riz, d'épices et de légumineux, élaborées à Marseille par les cuisiniers des grandes tables de la friche La Belle de Mai et des nutritionnistes des hôpitaux de Marseille. Cela fait 2 ans qu'à 500, nous portons de lieu en lieu, dans nos bras, cette maquette au centième du navire à venir que nous avons donc portée ce soir jusque devant vous. Et qu'au printemps prochain, nous porterons jusqu'à Venise, le jour de l'ouverture de la 60e Biennale internationale d'art contemporain. Nous l'exposerons à l'Arsenal, à l'endroit précis où se dressait Barca Nostra, sur le quai de ce chantier naval historique d'où sont sortis tant de bâtiments de commerce et de guerre, lancés sur les mers, pour faire main basse sur le monde, pour armer le commerce triangulaire, pour faire ainsi la richesse de l'Europe en général et celle de Venise, la Sérénissime, en particulier. Nous déclarerons alors « Ceci est un bâtiment extraordinaire qui tissera, lui, avec le lointain, une relation d'amitié enfin ». Nous l'exposerons au milieu de Venise, qui connaît des aqua alta toujours plus sévères, ces marées annonçant l'ensevelissement prochain d'une ville qui est devenue l'observatoire européen sur le choc climatique et migratoire à venir. Nous placerons ici même, le jour de l'ouverture de la prochaine biennale, ce « really made » pour le XXIe siècle, les plans de cette œuvre agissante, conçue non pour constater le désastre, mais pour y faire face en acte. Puis nous irons à Lampedusa, en 2025, par la mer, à bord du navire à venir, où nous sommes attendus pour l'inaugurer, comme l'annonce le programme de Lampedusa et Agrigente, capitale culturelle italienne 2025, qui a été fait lauréat en mars dernier. Nous avons rendez-vous 10 ans après le naufrage du 18 avril 2015 pour lancer le navire à venir, outil pionnier
non abîmée en ses fondations par la déploration de ce qui dure, mais portée sur l'horizon comme l'outil le plus efficace et magnifique qui soit. Nous avons rendez-vous, nous toutes et tous, à Lampedusa pour inaugurer cette œuvre collective, conçue pour soutenir et faire s'amplifier ces gestes qui ont fait, font et feront tenir notre humanité. Pour dresser donc en haute mer une œuvre à la splendeur de ce qui vient, c'est-à-dire aux gestes amplifiés, aux vies sauvées, à la flotte déployée, à la politique d'hospitalité radicale que ne peut manquer d'inscrire à son programme l'Europe du XXIe siècle. Cette histoire est ce soir encore une fiction, manifestement. Il nous revient donc soit de la conserver en l'état comme une chanson douce que l'on se raconte une soirée de décembre, soit d'effectivement la réaliser, et de l'entendre donc, cette histoire, comme un plan d'action, exposé sur la scène d'un haut lieu de la création contemporaine. Le réel, c'est une fiction qui a réussi. Le réel, c'est une histoire échappée de quelques feuillets, d'un plan, d'un écran, c'est une œuvre sortie de sa réserve. C'est ce qu'affirment aujourd'hui ces 58 institutions signataires du manifeste « Nous sommes le rivage » que nous venons de vous lire, dont la Maison de la Poésie est signataire, comme 58 institutions qui ce soir même affichent ce texte dans leurs enceintes et qui ce soir disent la possibilité et la nécessité du navire à venir comme œuvre agissante, comme œuvre opérante, comme un réel dont nous nous approchons ensemble, comme une fiction à faire réussir, à réaliser. Alors, telle est la condition du succès de cette soirée. Quand une ou deux heures, nous nous approchions ensemble du réel, nous bâtissions effectivement. Quand une ou deux heures, vous vous saisissiez de cette histoire, de la plateforme de dons que l'on va vous présenter. Quand une ou deux heures, vous donniez sur cette plateforme, au moins l'équivalent d'une place que vous n'avez pas payée ce soir. Quand une ou deux heures, vous deveniez vent porteur de l'avenir en capacité, mais aussi et surtout en désir, d'inviter vos proches, vos réseaux, vos voisins à nous rejoindre, à vous rejoindre, à donner et conter cette histoire à leur tour. Telle est donc la condition du succès de cette soirée, que nous quittions cette salle avec la conviction que nous irons à Lampedusa, un beau jour de 2025, inaugurer le navire à venir, écouter la directrice générale de l'UNESCO prononcer un grand discours d'inauguration et lui remettre alors le formulaire ICH-01, renseigné, finalisé, permettant que s'engage effectivement cette procédure de reconnaissance au patrimoine culturel immatériel des gestes de l'hospitalité vive, et notamment des gestes de sauvetage et de soins qu'effectuent en ce moment même, ce soir, les marins sauveteurs de SOS Méditerranée et les membres de pilotes volontaires. Part of the work that we do on the bridge within the search and rescue is to actually do the search parts that we do from the bridge. For this, it's very important that we manage to see as far as we can so we can actually locate the people that are in distress. For this, we have two most important things. One is the binoculars. So from here is where we normally try to look out. This gives us more or less a range of 6 miles. But then at night, we can't. So we turn to a radar. With this equipment would be my eyes when I cannot see out the windows. Questo è un giubbotto di salvataggio. Il gesto che noi facciamo nel dare questo ad una persona in pericolo è il primo gesto che facciamo per salvare una vita. Alors, CPR, ça veut dire cardiopulmonary resuscitation, et c'est un acte médical que l'on apprend à toutes les personnes qui sont à bord de l'Ocean Viking, parce que ça peut arriver à n'importe qui de se retrouver face à un rescapé qui a besoin d'avoir ce geste d'urgence. C'est quelque chose qui est simple quand on sait le faire et qui peut sauver des vies, que ce soit à bord du bateau, mais que ce soit aussi sur les ribs, lorsque l'équipe de SAR secourt les rescapés. On apprend, c'est l'un des briefings que l'on fait tout au départ de la mission, et on explique que c'est en fait 30 compressions
et deux insufflations avec un ambubag. Du coup, voilà. Le geste technique se compose de 30 compressions. Ou c'est un geste technique qui se fait qui peut se faire seul en attendant d'avoir l'équipe médicale sur place, mais qui se fait surtout en équipe, et une bonne communication est importante, puisque lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on sent que nos bras commencent à lâcher, il faut que quelqu'un prenne notre place. Du coup, on a nos 30 compressions. Et au bout de ces 30-là, lorsqu'on est sur le bateau et on doit faire deux insufflations avec l'ambubag. C'est pour ça que je dis que c'est un travail d'équipe, parce que lorsque la personne a fait les 30 compressions, la deuxième qui a la tête peut faire les deux insufflations. Les insufflations avec l'ambubag sont aussi expliquées lors des workshops, comment ouvrir les voies aériennes supérieures et comment faire des bonnes insufflations avec la technique. Et à ce moment-là, la personne qui est ici reprend les 30 compressions. Le plus important, c'est la communication et de ne jamais s'arrêter. Lorsque l'on commence, c'est jusqu'au bout, en sachant qu'à ce moment-là, on a déjà appelé à nos collègues pour qu'ils viennent nous aider et qu'ils viennent avec le défibrillateur pour pouvoir choquer la personne le plus rapidement possible. Gaëlle, pilote volontaire. C'est le tout dernier vol de la rotation. Il est à peu près 16 heures. On recherche une petite embarcation en détresse qui s'est signalée au collectif Alarm Phone. Je parcours le bleu de la mer avec mes jumelles. Je repère un point, puis une forme. C'est l'embarcation, à la dérive, au large des côtes libyennes. Je l'indique à José. On s'approche. Je pose mes jumelles. Je saisis mon appareil photo. Dans mon viseur, je vois apparaître le bateau, minuscule, blanc, en fibre. On s'approche encore. Je prends plusieurs images. Je compte une vingtaine de personnes. Je remarque qu'aucune ne porte de gilet de sauvetage. 20 personnes sont à la dérive au milieu de la Méditerranée. Je respire. J'agrandis l'image sur mon écran. Certains nous font signe. Ils sont assis dans le fond du bateau. La situation semble stable. J'agrandis encore. Parmi les embarqués, il y a une petite fille. Elle porte un manteau rose. Elle a peut-être 2 ans. Ses cheveux sont foncés, légèrement bouclés. Elle est assise sur les genoux d'une dame, sa maman sans doute. Une petite fille est à la dérive, au milieu de la Méditerranée. Je parcours mes images. Je scrute l'écran. Je zoome et dézoome, comme à tâtons. Je découvre une tête plus petite encore. C'est un bébé. Il est de dos. Il porte un vêtement beige avec une capuche beige. Un bébé est à la dérive au milieu de la Méditerranée. Puis un jeune garçon de 4 ou 5 ans. Il a des cheveux foncés, très courts. Il porte un manteau bleu foncé et blanc. Il est de face. Il regarde dans notre direction. Un petit garçon est à la dérive au milieu de la Méditerranée. Je relève la tête. Je respire. Je signale à l'équipage de l'avion qu'il y a des jeunes enfants à bord. Les coordonnées de la position de l'embarcation sont transmises aux services compétents pour que s'engagent les opérations de sauvetage. Le navire Humanity 1 est non loin, il se met en route. Je me dis, pourvu qu'il arrive avant les Libyens. Nous devons rejoindre la base à Lampedusa. À l'atterrissage, nous recevons une image prise par les équipes de Humanity 1. Je reconnais l'embarcation blanche, minuscule, et ses 20 naufragés. Ils sont bien arrivés avant les Libyens. Je respire. José, pilote volontaire, José masculin, notre geste, c'est porter notre regard. Notre avion, c'est les yeux des navires de sauvetage.
Notre action, c'est observer, chercher, chercher encore, rechercher, ratisser la terre, sans cesse. On a en tête qu'il y a forcément un ou plusieurs bateaux. Nécessairement, on le sait, il faut qu'on les trouve. On sait qu'ici même des dizaines de milliers de personnes ont perdu la vie parce que personne ne les a vues ou parce qu'on est arrivé trop tard. Comme ce jour de juin dernier où nous sommes tombés sur une douzaine de bateaux vides. Elsa, pilote volontaire, c'est un geste que j'effectue le matin, chiffon à la main, pour nettoyer la verrière de l'avion, pour permettre à la vue de se faire le plus nette possible. C'est un geste que j'effectue aussi en vol, flanqué au creux d'un siège dans lequel on a peine à se mouvoir, bouger le bras lentement collé à la vitre, non pour nettoyer et voir, mais pour être vu. La paume parallèle à la vitre, avec autant d'amplitude que cela est possible dans l'habitacle réduit. C'est un geste qui remplace le son, les mots, le toucher, le regard, la voix. C'est un geste appliqué pour qu'environ 300 pieds plus bas des naufragés parviennent à entendre un « nous vous avons vu ». C'est pas seulement une main qui s'adresse, mais tout un corps dans une main qui la traverse pour s'approcher et dire « nous vous avons vu ». C'est une apostrophe, un cri presque, mais traduit par un geste lent, doux. C'est un geste répété dans l'attente d'une réponse, qu'une réponse advienne par le biais d'autres gestes, dans l'espoir donc que dans l'avion on entende enfin, comme venu d'en bas, « nous voyons que vous nous avez vus ». Voilà, c'est ça, ce geste advient. Ces gestes adviennent. On se voit bien, on se voit parfaitement maintenant. Alors il faut quitter la suspension, l'urgence impose un autre rythme, une autre tension. Il faut qu'il soit vu par d'autres. Il faut transmettre cette vision au reste du monde dans une autre langue. 34 degrés, 28 minutes nord, 12 degrés, 10 minutes est, bateau pneumatique bleu, 56 personnes à bord. Pas de gilet de sauvetage, à la dérive, pas de cap, pas de vitesse. Elsa, pilote volontaire. Nous volons au large de la Tunisie. Les conditions de visibilité sont extrêmement mauvaises, si mauvaises que nous prenons la décision d'écourter le vol. La vue, c'est l'outil de notre action. Dans la brume ou le brouillard, on ne sert à rien. Il nous faut rentrer à Lampedusa. L'inquiétude monte. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? À qui tournons-nous le dos? C'est plus qu'une inquiétude maintenant, c'est une sensation dans la gorge, dans le ventre, quand notre avion prend son virage dans le ciel. C'est la sensation d'abandonner des êtres humains une seconde fois. On emprunte une route qui n'était pas prévue. C'est ce retour forcé qui nous y engage. Pour tenter de faire taire la sensation terrible de tourner le dos à quelqu'un, je saisis avec plus de force encore mes jumelles. Je garde les yeux rivés sur le brouillard. Je me concentre, je m'obstine, je veux percer l'épaisseur, saisir un signe, comme si c'était possible. Puis soudain, Iron Boat, embarcation en acier. Une cinquantaine de personnes à bord, à la dérive, en train de glisser sous le ventre de l'avion et de potentiellement redisparaître dans la brume, en train de glisser dans la nuit. Je reviens pas. C'est parce que les conditions de visibilité étaient mauvaises que nous avons croisé le chemin de ces personnes. Que se serait-il passé pour elle si là-bas le ciel avait été clair? Je me dis que nous aurions trouvé d'autres embarcations. Je me dis que c'est fou. Cette mer est pleine, cette mer est peuplée. On tisse la houle avec nos corps, on touche le fond. Tous les jours, tout le temps, partout, n'importe où. Je me dis que c'est fou. Elsa, pilote volontaire, à propos de Lampedusa. Ce jour-là, on parle de 12 000 arrivées sur l'île. Il y a tellement de personnes qui ont atteint la côte par leurs propres moyens. Le centre de rétention déborde. Je reçois des messages de France dans les médias. On parle de chaos. Le chaos, c'est aussi tous ces bras levés au ciel en pleine mer pour crier assistance, qui sont devenus des êtres entiers, visibles,
avec lesquels nous échangeons. Le chaos, c'est aussi l'Église qui est devenue aujourd'hui un centre de distribution où toutes les associations se sont investies. Le chaos, c'est aussi les restaurants qui ont ouvert leur cuisine pour préparer à manger en très grande quantité. Le chaos, c'est aussi les terrasses qui accueillent, les tables ouvertes, les pizzas offertes. Le chaos, c'est aussi de la chaleur, c'est aussi du vivant. Elsa, pilote volontaire, ça tire dans les yeux tout le temps. Tu dois garder les yeux écarquillés sans relâche, 9 heures durant parfois. Tu dois trouver des manières de t'appuyer dans les jumelles pour forcer l'ouverture des paupières. Tu sens de plus en plus lourdement dans la journée l'adaptation systématique des nerfs optiques. Scruter à travers la verrière de l'avion, puis regarder derrière les jumelles, que tu dois changer en fonction de ta position par rapport à l'horizon, en fonction de la luminosité qui ne cesse de changer. Puis plonger dans l'écran de la tablette pour communiquer avec l'agent de liaison. Puis te concentrer dans le viseur de l'appareil photo. Puis zoomer dans l'écran. Puis repasser aux jumelles, à la tablette, à la verrière. Puis aux autres jumelles, puis l'appareil photo. Le bleu, la mer, les jumelles, le bleu. À l'infini, tous ces bleus différents, cette eau, cette matière qui devient lame d'argent, étoffe tissée, crème chantilly. Cette intensité de l'expérience visuelle. Le soir, les yeux fermés, tu sens les nerfs qui tirent, loin dans le crâne, loin dans les cervicales, loin, très loin, jusque dans les lombaires. Alors, voici sur la plateforme navireavenir.eu. On y est arrivé en flashant QR code. Oui, sur un document qu'on va vous donner tout à l'heure, sur le document qui est affiché à l'entrée de la Maison de la Poésie, par exemple. C'est la première prévisualisation, la dernière, qui date d'octobre dernier, du Navire Avenir, et quelques extraits du discours d'inauguration que nous efforçons d'écrire, qui devrait avoir lieu un beau jour de 2025. On clique sur l'image. On arrive sur ce profil. Avec toutes les pièces qu'il nous faut rassembler, assembler, pour faire se réaliser l'avenir. Chaque pièce a un coût. Ça, c'est les études préalables. 992 000 euros, on a compté le bénévolat qu'on y a investi depuis 3 ans. Et aujourd'hui, on est à 997 550 euros, on retient bien cela. Et on est en train de financer la première pièce tangible, les 1000 gilets de sauvetage à 30 000 euros. Dans cette première séquence qui est indiquée, vous voyez en gauche, à gauche, naviguer, sauver. Donc ce sont tous les éléments nécessaires au sauvetage, les annexes, l'avion dont on parlait, le Colibri 2, 550 000 euros, etc. Et puis on avance, on déploie le programme du navire, le deuxième couple de verbes, c'est abriter, habiter, tout ce qui concerne l'accueil, le soin à bord, partager, raconter, la dimension de place publique, le lieu de vie, puis relier, arriver. Tout ce qui nous relie au rivage et tout ce qui permet au rivage de se relier au navire. 28 580 000 euros. 28 millions, pardon, 580 000 euros. On fait ce qu'on peut pour essayer d'encourager le. Puis après, il y a plusieurs. Voilà, on va directement à Je donne. Donc là est indiqué l'élément qui est aujourd'hui à financer, à savoir les 30 000 sauvetages, les 30 000 euros. Il y a des indications sur l'association. Nous avons créé une association spécifique, Navire Avenir, qui est composée de ces personnes-là, qui est présidée par Marc Van Petegem,
architecte naval. Donc quelques membres étaient là tout à l'heure sur scène. Et puis on donne ici 10 euros minimum. Et puis quand on donne, on se retrouve là, sur la page Assemblée, où donc les 500 dont on parlait tout à l'heure sont là énumérés à droite de l'écran, les institutions qui ont accueilli pour de la Villa Médicis, un certain nombre d'autres institutions qui ont accueilli pour le travail, ces chercheurs et chercheuses de Repentir et d'Amérique du Sud aussi, d'école, les concepteurs, les partenaires scientifiques ici. Et puis la liste des institutions qui ont signé et contribuent donc à la portée du navire à venir. Et puis là, à gauche, toutes celles et ceux qui ont fait ce chemin, qui sont allés sur cette plateforme et qui sont allés donner un minimum de 10 euros et qui fait que nous en sommes là où nous en sommes. Voilà. On regarde l'assemblée et l'assemblage. Et donc rappeler qu'effectivement, c'est le premier navire spécifiquement conçu pour le sauvetage en haute mer qui a été décrit, dont le cahier des charges a été établi par des rescapés de la traversée, dont certains sont là ce soir avec nous, par des marins sauveteurs, vous en avez vu quelques-uns, par des pilotes, vous en avez entendu quelques-uns, et par des soignants des hôpitaux de Marseille. Et donc ce cahier des charges nous a conduit à décrire par ces quatre grands chapitres, naviguer, sauver, abriter, habiter, partager, raconter, relier, arriver, l'ensemble des pièces qui constituent le navire à venir, dont l'assemblage permettra de rendre réel ce navire. Et pour le comprendre, on passe en téléchargement, donc je vais passer autrement. Le navire dont voici les plans, actualisés, les derniers plans. Donc on reconnaît le catamaran, les deux flotteurs. On va le lire d'en bas à gauche, puis monter, puis remonter ensuite à droite. Les deux flotteurs, la salle des machines. Ensuite les deux flotteurs au-dessus, où on voit ce qu'on peut, mais je vous le décris un petit peu, les cabines des membres d'équipage. Et puis à l'arrière des flotteurs, des rampes qui s'ouvrent et qui permettent aux annexes qui ont sauvé des personnes en mer de venir et d'entrer par ici et faire que l'embarquement des personnes rescapées se passe sur le pont supérieur. Vous voyez la trace au-dessus, le grand pont, au-dessus des deux annexes derrière. Et donc c'est ainsi que les personnes arrivent dans un premier espace d'accueil de 130 mètres carrés à peu près, et qui donne, donc on est sur le premier pont, dit pont nacelle, qui donne sur l'hôpital de bord, au milieu, et puis à l'avant, qui donne sur tous les espaces de travail des membres d'équipage, et notamment la cuisine. Le pont au-dessus, c'est le pont principal, dont on a tracé un petit fragment devant la maison de la poésie. Ce pont principal, vous voyez un périmètre interne, qui est le lieu de vie collective, qui donne sur un grand cercle, et ce cercle, c'est le lieu de distribution de la nourriture, qui vient d'en bas, des cuisines, donc. Et puis il y a une forme de U, une forme de gradin pour la vie collective. C'est ici qu'on partage la nourriture et ce pont est ouvert aux quatre vents, mais on peut aussi le fermer. Au-dessus, pont suspendu, donc on voit par la coupe aussi ce pont avec tous les hublots. Pont suspendu qui est le pont refuge, qui accueille 372 personnes en position allongée, qui est précédé à gauche des sanitaires et à droite, à l'avant du demi-cercle, d'un espace dédié aux enfants et un espace dédié à la parole. Enfin, à droite en bas, le pont promenade, pont réservé aux membres d'équipage et qui est aussi au niveau de la timonerie, le lieu de commandement du navire. Et puis tout au-dessus encore, la visualisation à la fois des panneaux photovoltaïques et puis des deux ailes qui se déploient de 35 mètres de hauteur et qui permettent au navire de bénéficier de la force du vent. Autrement dit, Jacques. À
l'inventaire des 106 pièces du navire à venir. 39 165 nombre de personnes secourues par SOS Méditerranée depuis 2016. Le sauvetage des vies humaines en mer n'est pas optionnel. Discours sur l'état de l'Union européenne de Ursula von der Leyen, septembre 2020. 400 millions d'euros, coût d'un mur anti-migrant que construit la Biélorussie aux portes de l'Europe. 400 millions d'euros, ce qui en coûterait à l'Europe de se doter d'une flotte de 20 navires de sauvetage en haute mer de type navire à venir. 1. Naviguer, sauver. 27 objets. Les statuts d'une association, loi 1901, propriétaire d'un navire à venir. Un bâtiment en acier de type catamaran de 69 mètres de long et 23 mètres de large. Un mât principal de 6 mètres. Un pavillon maritime européen brodé de 250 cm sur 150 cm. Un pavillon maritime européen défini en droit. Une sirène constituée de voix humaines. Un moteur fonctionnant à l'électricité. Deux ailes solides de 35 mètres de hauteur permettant de bénéficier de la force du vent. 371 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Deux ancres en fonte de 300 kg. Un avion bimoteur de type Colibri 2, conçu comme une extension volante du navire. Un bureau pour la jambe de liaison avec l'avion. Les dispositifs satellitaires de recherche des embarcations en péril. Un radar, un ballon à l'hélium avec caméra nocturne et thermique. Trois paires de jumelles, une salle de réunion, 36 cabines pour les membres d'équipage et marins sauveteurs. Deux lieux de réunion et repos pour les membres d'équipage et pour les marins sauveteurs. Des uniformes et vêtements techniques pour les marins sauveteurs. Un habillage graphique et lumineux signifiant aux yeux des naufragés que le navire à venir est un bâtiment ami. Quatre bateaux de secours semi-rigides, deux de 100 mètres, deux de 10 mètres, deux de 6 mètres 5. Deux rampes avec treuil situé à l'arrière des deux flotteurs du navire pour faciliter l'accès des annexes en toute sécurité. Une porte de bordée avec échelle et pliable. 1000 gilets de sauvetage, une aire d'émitroyage, une grue embarquée. Deux habités, abrités, 30 objets. Un espace de premier accueil de 123 mètres carrés. Une ambiance lumineuse réconfortante dans l'espace de premier accueil. 8 bancs amovibles dans l'espace de premier accueil. 52 sanitaires et 38 douches réparties sur les 3 ponts accessibles aux rescapés. 11 points d'eau installés sur le pont place, 56 miroirs installés sur le pont refuge, un kit d'accueil comprenant des objets pour le quotidien à bord, dont une brosse à dents, du savon, une gourde, un kit d'hygiène pour les femmes, deux brancards, un hôpital entièrement équipé et climatisé, une machine à générer de l'oxygène, des respirateurs accessibles sur le pont nacelle, sur le pont place, 4 lits médicalisés, 4 chambres d'observation équipées de sanitaires, un vaste espace modulaire de soins et de repos, un cabinet pour une sage-femme, une cabine de télémédecine, un lieu d'écoute et de soins psychologiques pour les rescapés et les marins sauveteurs, un protocole de transmission rescapés des tout premiers gestes de secours et de soins, une morgue pouvant accueillir 6 corps, un refuge pour 372 personnes et une extension de 80 places sur le pont place. 124 modules de 3 couchettes superposées, des signes et des mots d'amitié imprimés sur les toiles des modules couchettes, des toiles d'intimité pour chacune des couchettes du refuge, des couvertures en laine, 200 doudous pour les enfants à bord, 128 hublots de 90 cm ou de 40 cm de diamètre, 128 rideaux imprimés pour tirer les hublots, des tapis de sol ou matelas légers pliables, individuels, 400 mètres linéaires de garde-corps. Partager, raconter, 28 objets. Les recettes issues d'un programme de création culinaire méditerranéen spécifique aux besoins des rescapés, aux lits traumatisés. Du mobilier, des équipements de cuisine, des ustensiles pour faire la cuisine, un espace de stockage sec de 23 mètres carrés, un espace de stockage à 1 degré de 23 mètres carrés,
un espace de stockage à moins 21 degrés de 7 mètres carrés, un compacteur d'ordures à 0 degré de 15 mètres carrés, un système de production d'eau potable, 500 bols et couverts incassables et recyclables, deux montres plats, un espace de distribution de la nourriture, un dispositif sonore dit tour de Babel diffusant des musiques transmises du territoire par des réfugiés. Des assises généreuses sur le pont-plage permettant notamment d'y partager la nourriture. Des toiles tendues pour dessiner des espaces semi-collectifs sur le pont-plage. Des toiles d'ombrage pour le pont-plage. Des lave-mains sur le pont-plage. Un cordage collectif faisant office de main courante et permettant d'étendre le linge. Un système typographique plurilingue incorporant notamment l'arabe littéral, le persan l'ourdou, le farsi, le bengali, le tingriya, le somali, l'anglais, le français. Une signalétique fonctionnelle faite de logotypes. Une bande d'informations sur le pont place proposant notamment les plans du navire. Des tableaux d'expression écrites et dessinées. Un kit de communication non verbale. Un journal de bord pour chacune et chacun des rescapés. Des jeux de cartes. Un espace de jeu pour les enfants. Un jeu de construction du navire à venir pour les enfants. Des livres pour les enfants, des coloriages pour les enfants. Reliés, arrivés, 22 objets, des boussoles fixées sur les garde-corps, un espace cartographique dessiné au sol du pont place, un jardin ou une étendue terrestre au beau milieu du pont place, des prises électriques pour connecter les téléphones dans le pont refuge. Un document plurilingue d'informations juridiques à l'usage des rescapés futurs européens. Des images de l'hospitalité vive sur le rivage pour informer les rescapés des mouvements de solidarité qui s'organisent aujourd'hui en Europe. Des signes de gratitude brodés dans le linge de toilette des marins sauveteurs. Une passerelle pour rejoindre la terre ferme. Deux studios de travail et deux couchages pour chercheurs, architectes, artiste en charge de dessiner les autres navires composant la flotte européenne qui nous manque. Une assemblée d'institutions culturelles, musées, théâtres, centres d'art, festivals, protectrices du navire à venir en tant qu'œuvre d'art. Une mobilisation citoyenne pour confiancer, cofinancer une part de la construction de ce navire œuvre. Un plan d'action financement permettant de lever 27 millions d'euros. Un dispositif plastique sur le rivage témoignant en temps réel de l'activité du navire pour nous permettre de veiller à sa libre circulation. Un monument aux personnes secourues pour célébrer chaque vie humaine. Un programme de recherche sur l'identification des personnes disparues en mer. Une archive publique et open source des études, des plans et du processus de création du navire à venir. Un document permettant de répondre à tout ce qui s'oppose à la création du navire à venir. Une maquette au centième conservée en haut lieu, un carton d'invitation à cette inauguration qui aura lieu un beau jour de 2025, une plaque d'inauguration s'en référant au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, une fête d'inauguration de l'avenir, un grand discours d'inauguration de l'avenir prononcé par la directrice générale de l'UNESCO. Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, c'est un navire que nous attendions depuis longtemps. C'est un navire spécifiquement conçu pour le sauvetage en haute mer. C'est un navire emblème. C'est un navire sur lequel flotte le drapeau de l'UNESCO parce que les gestes de sauvetage et de soins sont enfin reconnus comme un patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est un navire conservatoire qui, à ce titre, a pour fonction de protéger ces gestes et de les transmettre aux générations à venir. C'est un navire
pour la beauté des gestes, c'est un navire pour la portée des gestes, c'est un navire pour l'hospitalité vive, c'est un navire parce qu'il fallait inventer quelque chose de grand. C'est un navire conçu avec des marins sauveteurs, des rescapés, des architectes, des designers, des riverains, des plasticiens, des graphistes, des créateurs sonores, des professionnels de santé, des juristes, des cuisiniers, des écrivains, des étudiants d'Europe entière. C'est un navire conçu avec celles et ceux qui font de l'Europe un continent en voie d'élargissement. C'est un navire pour lequel a été créé en droit un pavillon maritime européen. C'est un navire porté par des ressortissants de pays signataires de la Convention de Genève. C'est un navire pour naviguer, sauver, abriter, habiter, partager, raconter, relier, arriver. C'est un navire constitué de deux coques et surmonté de deux ailes solides permettant qu'un tiers de son énergie de propulsion provienne de la seule force du vent. C'est un navire de 69 mètres de long et de 23 mètres de large. C'est un navire qui pèse, pleine charge, 1750 tonnes. C'est un navire relié à un petit avion de type Colibri 2 qui assure la recherche des embarcations en péril. C'est un navire qui compte 4 navires annexes, 2 de 6,50 m, 2 de 10 m. C'est un navire qui présente à l'arrière 2 rampes et 2 systèmes de treuils pour faciliter l'accès à bord des rescapés. C'est un navire qui abrite un hôpital, le cabinet d'une sage-femme, un lieu d'écoute psychologique, une cabine de télémédecine, une cuisine, un refuge pour 372 personnes, une morgue pouvant accueillir 6 corps. C'est un navire qui génère ses propres besoins en oxygène. C'est un navire dont la sirène est faite d'une voix humaine. C'est un navire comme un havre, tout contre le cauchemar. C'est un navire comme une terre, relié à la terre par extension. C'est un navire qui nous est relié, qui nous relie. C'est un navire parce que le naufrage est indivisible. C'est un navire parce qu'il était temps. C'est un navire parce que c'est possible. C'est un navire parce que c'est nécessaire. C'est un navire parce que nos enfants. C'est un navire parce que des frères, des sœurs, des maris, des femmes, des parents ont disparu en mer. C'est un navire parce qu'il va nous falloir beaucoup, 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 beaucoup d'amour. C'est un navire qui respire, que nous respirons pour respirer. C'est un navire parce que nous avons besoin de respirer ensemble. C'est un navire où peuvent jouer les enfants. C'est un navire présentant à son bord des inscriptions en arabe littéral, en persan, en ourdou, en farsi, en bengali, en tingria, en somali, en anglais, en français. C'est un navire conçu comme une place publique méditerranéenne flottante. C'est un navire parce que nous avons besoin d'écrire d'autres histoires communes. C'est un navire qui raconte une autre histoire à venir. C'est un navire comme une arche sans fin du monde. C'est un navire qui utilise la force là où elle se trouve. C'est un navire qui vient de la transformation de l'impossible en possible joie. C'est un navire qui vient de chacune et chacun d'entre nous, de loin, d'entre nos terres. C'est un navire pour cesser de chuter. C'est un navire souffle, c'est un navire battement, c'est un navire à la splendeur de ce qui vient. C'est un navire comme un pont, c'est un navire passeport, c'est un navire qui s'avance en mer comme un haut lieu de l'hospitalité. C'est un navire comme une extension maritime de toutes les institutions culturelles qui se sont rassemblées pour en accompagner la création depuis 2020. C'est un navire œuvre, un navire qui œuvre, un ready-made pour le 21e siècle. C'est un navire dont les plans et la maquette finale ont été présentés à la Biennale internationale d'art contemporain de Venise l'année dernière, en 2024. C'est un navire construit pour les innombrables jeunes gens qui se lanceront demain sur les mers pour fuir l'invivable et rêver encore. C'est un navire
parce que nous étions, nous sommes, nous serons vulnérables. C'est un navire qui prend la mer pour prendre soin. C'est un navire qui offre les conditions les meilleures pour que les rescapés retrouvent le sommeil. C'est un navire imaginé en 2020 par des Européens qui ne savaient pas qu'ils en avaient à ce point le désir. C'est un navire qui relie celles et ceux qui, en 2020, ne se savaient pas si profondément reliés. C'est un navire inspirant, c'est un navire phare, c'est un navire foyer, c'est un navire outil, c'est un navire pionnier. C'est un navire pour la Méditerranée qui n'en peut plus d'être le cimetière qu'elle est devenue. C'est un navire prototype d'une flotte entière. C'est un navire qui transporte des êtres humains et une autre idée de l'Europe. C'est un navire conçu pour nouer avec le lointain une relation d'amitié. Et non pour faire main basse sur le monde, comme le furent les navires armés durant des siècles pour des migrants européens conquérants. C'est un navire à notre recherche, à la recherche de notre humanité. C'est un navire grâce auquel, en sauvant, nous nous sauvons. C'est un navire pour les générations à venir. C'est un navire au beau milieu d'entre nous. C'est un navire conçu pour répondre à la question « Qu'est-ce qu'on met de beau entre nous ?» C'est un navire situé précisément entre la colère et la joie. C'est un navire avec tendresse. C'est l'avenir. C'est le navire à venir. Alors voilà. Vous maîtrisez maintenant un peu ce site, sa navigation. Vous avez en tête certains des éléments caractéristiques du navire qu'il nous faut construire. Cet onglet « Je donne » et celui-ci, on est toujours au même niveau. Vous avez compris que ce n'est pas notre navire, que c'est notre navire. Et donc, il nous faut là vraiment activer tout ce que l'on a, tout ce que l'on peut pour que advienne aussi rapidement possible que cet outil, que celles et ceux qui sont en mer là aujourd'hui attendent. Donc il nous faut effectivement la force financière que nous devons devenir. Et puis, vous avez compris aussi, nous sommes nombreux à travailler, à concevoir un certain nombre d'éléments et des éléments qu'on arrive à activer et qu'on activera aussitôt que possible, tels que la cuisine, qui est aujourd'hui une part de la cuisine qui est servie à bord le Shane Viking, qui est déjà une part de l'avenir qui a lieu. Et donc, on souhaitait vous proposer aussi, ouvrir cette séquence, c'est la première soirée qu'on intitule « Nous sommes le rivage » et que nous allons en faire une prochainement à Reims, à Strasbourg, donc à la Comédie de Reims, au TNS de Strasbourg, au Festival d'Avignon, et d'assemblée en assemblée, composer avec celles et ceux qui le souhaitent, dans la salle, la sirène constituée d'une voix humaine, dont nous avons déjà expérimenté un certain nombre d'éléments avec Médéric Collignon, à Montpellier. Et donc, voilà, on vous propose de co-construire avec nous cette sirène, de nous donner un peu de votre voix et que l'on va faire s'étendre et s'accumuler d'assemblée en assemblée. Après quoi, tiens, je vais au bout, après quoi, donc on se réunira sur scène, toutes celles et ceux qui sont dans la salle et qui sont co-bâtisseurs du navire, et on répondra à toutes les questions, c'est-à-dire à tout ce qui s'oppose aujourd'hui encore, dans vos esprits, à la construction de ce navire. Et on viendra ainsi étoffer cette page argument, qui est une page sur laquelle il y a toute la revue de presse. Et puis, il y a des textes qui s'intitulent « Vent contraire » et qui essaient d'inventorier tous les doutes, tous les scepticismes et d'y répondre. Et donc, c'est ce que nous essaierons de faire ensemble avec vous, une fois que nous aurons co-composé cette,
cette sirène, une part de cette sirène, le début, l'amorce de cette sirène. Alors, on va le faire selon les règles, hein, parce qu'il y a une réglementation maritime concernant les signaux sonores émis par les bateaux. Hein, en 1972, l'OMI, l'Organisation Maritime Internationale, édite une convention pour prévenir des abordages en mer. Alors, dit règlement Colray, ça vous ne pas retenir, règlement international pour prévenir les abordages en mer qui s'applique à tous les navires en haute mer et dans les eaux attenantes accessibles aux navires de mer. Je vais sans doute abréger. Pour une sirène, on parle d'un sifflet, whistle en anglais, ou de corne de brume, foghorn. Foghorn. Le son est produit par un système électronique qui envoie le son dans un haut-parleur situé à l'extérieur du navire. Bien. Je te passe le relais, Marie. Bon, voilà. L'idée, c'est de fabriquer la sirène maintenant, tous les quatre d'essayer. Et à chaque assemblée, en fait, les sirènes qu'on aura récoltées vont s'empiler et le son sera retravaillé après. Voilà. Donc, cette sirène, elle doit être entre une fréquence de 180 Hz et de 700 Hz. Et elle doit durer, en fait, on doit faire, parce qu'on communique après avec des sons longs et des sons brefs. Et selon comment on les assemble, ça a vraiment, ça veut dire des choses très particulières. Donc, il faut faire, voilà, l'idée, ça va être de composer ce long son de 6 secondes. Alors, si vous voulez bien, ceux qui en ont envie, je veux bien que vous le leviez, comme ça, ça sera plus facile. L'idée, c'est de se préparer pendant 3-4 minutes afin de faire tous ensemble le son. Donc, voilà, on essaie. Voilà. Voilà, vous laissez des manteaux pour être tranquille aussi pour que ça s'entende pas. Alors, on prend. Se détendre les mains, se réveiller après tous ces thèmes de ce qu'on a entendu. Voilà, se mâcher du calque, toucher la gorge, en fait, être un peu présent à soi-même, voilà. Se la tête, se détendre la bouche. On baille un peu. D'abord, on va juste faire un exercice de souffle pour, parce qu'en fait, cette note, elle doit être constante. C'est-à-dire, l'idée, c'est de faire une note qui est bien tenue et bien pleine pendant 6 secondes, et qui n'ait pas des trous à l'intérieur. Donc, peut-être juste pour commencer, vous expirez comme ça. Voilà. Vous consommez de l'air et vous inspirez sans réfléchir. Une inspire passive. Et vous recommencez à votre rythme. Vous consommez beaucoup d'air. C'est vraiment. Voilà. C'est pas timide, c'est puissant. Et quand vous inspirez, vous ne réfléchissez pas, ça rentre en vous. Et chacun respire quand il en a besoin. L'idée, c'est de ne pas forcer de jamais être en difficulté. Thank you.
rappelle le principe. C'est vraiment précis, les fréquences. Voilà. Je vous rappelle que vous avez donc participé au sifflet. Le terme sifflet désigne tout appareil de signalisation sonore capable d'émettre des sons prescrits et conformes aux spécifications de l'annexe 3 du présent règlement. L'expression son bref désigne un son d'une durée d'environ une seconde. L'expression son pour loger désigne un son d'une durée de 4 à 6 secondes. Mais nous, JB, en fait, on découpera après. On va faire une fois 6 secondes son et après on fera 3 secondes. On demandera aussi si c'est son coup. Ouais, Et alors, donc, cette note, elle doit être entre 180 Hz, ce qui fait ça. Ça, c'est voilà. Et, c'est pas très rapide. On est resté au même bon temps la soirée, donc on n'a pas encore été très percutant. Pourquoi d'après vous convaincant? C'est la question. C'est quoi cette question? C'est intéressant. Alors peut-être. Il y a un micro, quoi. Oui, il y a peut-être un micro. Enfin, c'est juste. Ou alors, oui. Parce qu'on a un micro dans la salle. Pardon? Et comme ça, on se lance sans micro. Alors on essaye. C'est intéressant. Vous avez présenté un projet magnifique depuis
couleur, et en fait, on éteint un constat en disant on n'a pas bougé depuis une heure. Et je lui dis pourquoi d'après ? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas eu réciprocité, partage, alignement ? C'est la vraie question. Ah non, c'est pas une vraie réponse. C'est vous qui nous avez présenté, oui, d'une heure, vous dites il n'y a pas de résultat concret. On vous pose la question, pourquoi il n'y a pas de résultat concret ? Pourquoi il n'y a pas eu de retour ? Pourquoi il n'y a pas eu de réciprocité ? Pourquoi il n'y a pas eu d'alignement ? Elle est intéressante, la question. Vous le faites pour nous. Sinon, vous n'avez pas eu de retour. C'est comme au théâtre. Quand vous avez une salle qui ne bouge pas, qui ne bande pas, c'est qu'il y a un problème sur scène. Donc, je vous pose la question, cher monsieur. On capte pas dans la salle. Donc une des réponses, c'est le réseau manquant dans la salle. Vous voulez que je prenne le micro ? Non, je pense qu'on a compris la question. Enfin, c'est simplement une des réponses données, c'est qu'il n'y a pas de réseau. Après cet excellent couple avec un coach en chanson et en phonétique extraordinaire, je vous pose la question. Pourquoi il n'y a pas eu alignement, retour, réciprocité, ce que vous avez dit ? Pourquoi ? Peut-être c'est à vous qui ne. Alors, je ne sais pas, pour prendre votre terminologie, qui ne vous êtes pas aligné, de dire pourquoi. Vous nous avez dit là, au bout d'une heure et quart, vous ne pouvez pas qu'au début. Okay. Il n'y a pas eu de retour dans le départ, de communication ou d'application. Donc, moi, je travaille dans le théâtre. Quand une salle ne réagit pas, ne bande pas, c'est qu'il y a un problème sur scène. Attends, il y a quelqu'un qui vous répond peut-être. Non, je pose la question, monsieur. Ah bon ? Et oui, vous êtes initiateur, ça fait une heure et quart que nous parler. Oui. Oh, okay. Non, mais il n'y a pas d'agressivité. Non. Vous avez présenté un projet pendant une heure et quart. Vous avez fait ce constat aussi. Je vous pose la question, pourquoi ce constat ? Moi, si je me permettais, on peut demander à des publics qui sont participés. C'est eux qui ont cette, la réponse. Monsieur, ce n'est pas la dame qui nous a présenté ce projet, c'est le monsieur. Nous, on peut parler pourquoi on a présenté le projet. Pardon ? On peut parler aussi du projet. Sur le constat qu'a fait le monsieur. Le monsieur a commencé en faisant ce constat. J'attends une réponse. On a deux questions. On va répondre à la question. Sans doute, on va répondre à la question. Pas trop bien. Juste, madame, si vous voulez parler. Est-ce que vous parlez fort comme ça, je peux entendre mieux ? Une réponse sur ça, c'est qu'en fait, là, donc, on bascule sur le financement des 1000 gilets de sauvetage. Effectivement, dès qu'on a l'argent pour les 1000 gilets de sauvetage, on ne va pas les garder en attendant que les 27 millions arrivent. Et donc, avec SOS Méditerranée, on travaille comme ça et on affecte ce que l'on a déjà en main et on va les donner, ces 1000 gilets de sauvetage à SOS Méditerranée, qu'on va floquer Navire Avenir. C'est la même chose qu'on fait aujourd'hui avec la cuisine. Elsa, qui a beaucoup parlé de pilote volontaire, qui est en fait de l'équipe Navire Avenir, qui est soignante, elle est avec pilote volontaire et elle travaille sur le soin apporté à celles et ceux qui soignent, et donc notamment aux pilotes. Donc il y a comme ça des activations, en fait, qui sont déjà à l'ordre du jour. Et notamment les premières pièces, c'est pour ça qu'on les a mises en premier, c'est-à-dire que, imaginons qu'on arrive que jusqu'à l'avion, disons, eh bien, tout ça va être effectif et opérationnel, puisque les gilets, les annexes et l'avion sont notamment les premières pièces qui vont être... qui pourraient être mises en œuvre directement. Donc là, on est déjà dans l'effectif, c'est-à-dire qu'on est en train de financer les gilets de sauvetage qui, dès lors qu'on les a, on les donne selon les besoins des SOS. Je voulais savoir, justement, vous en parlez, quel est le lien avec SOS Méditerranée ? Quelle est l'articulation ? Il y a déjà un bateau qui s'appelle Michel Cucou. Oui. Donc SOS fait partie de ce premier pool de partenaires scientifiques qu'on a constitué en 2020. Et donc c'est eux qui nous ont décrit le navire manquant, avec Aliou, Mohamed et toute l'équipe de l'association des usagers de la PADA, qui sont des rescapés, qui ont aussi cette expertise, avec les pilotes volontaires, vous avez entendu, qui font aussi partie de ce pool scientifique, qui ont décrit les outils manquants, et avec les soignants des hôpitaux de Marseille. Donc ce sont nos partenaires scientifiques. C'est eux qui ont établi le cahier des charges qui a conduit... à la liste qu'a faite Jacques, c'est-à-dire de toutes les pièces qui sont nécessaires aujourd'hui. Et donc, ils nous ont décrit cet outil manquant. Donc, ils sont nos partenaires. Et évidemment, ce navire, enfin, évidemment,
l'évidence, mais ce navire est le prochain navire des SOS Méditerranée. C'est peut-être pas l'objet de la discussion de ce soir, mais comment fait-on pour éviter d'avoir besoin de créer tous ces bateaux ? Évidemment. Et ça, c'est politique, et j'ai bien compris que le positionnement était artistique, c'était une œuvre d'art pour s'opposer, ou en tout cas ne pas subir les extrémismes, enfin essayer de ne pas les subir, et les attaques. Et donc voilà, c'est une question en termes de, ouais, de politique et de lobbying, et comment on fait pour ne pas avoir besoin de cet outil, évidemment. J'aimerais bien être le seul à répondre à un mémoire. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est qu'on essaie de se saisir de ce dont on peut se saisir, c'est-à-dire d'avoir prise sur le monde. Et nous, ce qu'on sait à peu près faire, peut-être un peu plus que ce qu'on sait faire là, c'est faire un navire. Et c'est en faire 10 et c'est en faire 100. Et donc, pour nous, c'est à partir de là que ce qui n'a pas lieu peut peut-être s'envisager comme un horizon. C'est-à-dire de faire des navires et à partir des navires, faire des rivages, etc. etc. Et donc, c'est une prise. C'est pas artistique ou politique, c'est faire de la politique par un chemin qui nous semble le plus efficace qui soit, qui est là, qui nous permet de nous réunir, qui nous permet de porter cette histoire-là et de la faire advenir. Donc il y a aussi un petit déplacement dans la pensée que l'on se fait, parce que c'est qu'une œuvre, elle peut être agissante, voilà, bon. Mais en tous les cas, voilà, c'est toujours j'aimerais bien ne pas continuer. Là, est-ce que je vais continuer? Non, c'est pas ça. En fait, après, pour rajouter aussi, parce que dans le pas faire, il est déjà prêt, déjà. En fait, il y a certains SOS Méditerranée qui sont là, déjà. Il y a plein, comme on avait vu tout à l'heure, en fait, eux, ils sont en train de partir sur le Méditerranée pour recevoir en urgence, ce jour, en urgence. Ils sont empêchés, justement, par des politiques et des pays qui s'affrontent sur ces... Pardon, je suis désolée. Mais ils sont empêchés, ils sont menacés aussi dans leurs actions de sauvetage. Je parle juste de ce point-là parce que c'est un point... Excuse-moi, je n'ai pas compris. Donc, excuse-moi, Amane, mais juste un point sur ça. C'est-à-dire qu'un des enjeux, par exemple, de la création du pavillon maritime européen, c'est qu'on part des controverses qui ont aujourd'hui lieu, que l'Italie se saisit d'un certain nombre de controverses qui sont des controverses de droit interne qui opposent le droit italien et le droit, en l'occurrence, du pavillon norvégien, parce que Shibaki est pavillon norvégien. Donc, de travailler la création d'un pavillon maritime européen, c'est faire sauter ces capacités que l'Italie, en l'occurrence, enfin, c'est faux de dire comme ça. Mais en fait, en tout cas, c'est l'ennui qu'ont les navires qui font qu'ils sont immobilisés. C'est par exemple un des sujets qui, évidemment, c'est porter un navire et le rendre opérationnel, il faut qu'il soit inarrêtable. Et donc, cette question de l'inarrêtable est au cœur d'un certain nombre de sujets qui sont les nôtres, donc le pavillon maritime européen notamment, mais aussi notre attachement. C'est-à-dire comment on se lie autrement au navire. C'est ce qu'on disait dans la liste, etc. Dans la liste des pièces, il y a comment on a un lieu, un je ne sais quoi, un objet, un son, un truc qui fait qu'on est attaché constamment au navire et qu'on veille ensemble sur celui-ci. Et peut-être que les 60 associations culturelles, ici, à la Maison de la Poésie, il y aura un truc, un machin, un écran, et on pourra savoir que le navire opère. Comment on se lie autrement aussi au navire et comment on articule le navire autrement au rivage aussi. Donc c'est, évidemment, c'est une question qui traverse. Et c'est une des questions que pose la SOS Méditerranée, c'est comment faire pour faire. Et donc, c'est pour faire mieux, un outil, mais aussi un outil qui doit voilà, lever les obstacles qui sont posés aujourd'hui à l'Ocean Lake. Un peu importante qui va contribuer, qui vont contribuer. Ici, on a deux stratégies concomitantes, c'est celle-ci, la nôtre, parce que nous, on est ce qu'on est, on a ce qu'on a, et le peu qu'on a, comment on amorce la chose et comment elle se porte, et elle est portée par nous autres citoyennes et citoyens européens. Donc ça, c'est le fondement de l'affaire. On a un peu l'intuition qu'on va, comme le suggère monsieur, qu'on va pas arriver à lever 27 millions ensemble, et donc il faut effectivement, parallèlement, on développe avec le conseil d'administration de Navires Avenir, toute une stratégie de levée de fonds auprès d'institutions publiques. L'Europe, on s'approche aujourd'hui de l'Europe en sachant toutes les difficultés qu'on peut avoir pour lever des fonds pour une telle affaire. Mais il y a par exemple, le pavillon maritime européen, il nous a permis d'accéder au Parlement européen et de faire que le Navires Avenir soit déjà
reconnu au Parlement, qu'il y ait des textes qui soient en train de se triturer, et donc il y a des choses qui avancent par ce chemin-là, ça ne veut pas dire que... Et puis du côté, effectivement, du financement privé aussi, donc c'est une autre histoire qu'on raconte, c'est le modèle industriel que sera le navire à venir, son fonctionnement avec un armateur, un affréteur, un propriétaire, le propriétaire étant navire à venir, c'est une autre histoire qu'on raconte à des personnes qui peuvent mettre 1 million, 2 millions, 3 millions, si vous les connaissez, et qui, à partir de là, effectivement, vont nous permettre de faire advenir ce que nous autres n'aurons pas permis. Ah. Je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Et pour le fonctionnement et la maintenance du... Enfin, le financement du fonctionnement et de la maintenance. En fait, on l'a calibré sur le fonctionnement des SOS Méditerranée en 2020. On a commencé avec eux en 2020. Ils avaient un mode de fonctionnement qui impliquait 15 000 euros par jour pour faire fonctionner l'Aquarius. Non, le Ocean Viking déjà, pardon. Le Ocean Viking déjà. Et donc on est parti sur évidemment un cahier des charges, c'est-à-dire en fait ça nous a donné une mesure en fait, et savoir que ce navire doit fonctionner avec à peu près ce modèle, sur ce modèle, puisque ce modèle fonctionne. Disons qu'ils ont 15 000 euros par jour. Et donc c'est la raison pour laquelle aussi un navire qui est de la même, du même calibre que le Ocean Viking, 69 mètres aussi, mais qui a évidemment un certain nombre d'outillages supplémentaires, et en même temps qui a par exemple sur la question du fuel un gros avantage, c'est qu'il fonctionne avec un moteur électrique, avec des ailes qui lui permettent de bénéficier de la force du vent à 30%. Entre-temps, il y a eu ce que l'on sait, tout un tas de crises qui ont fait que le fuel a vertigineusement augmenté, si je puis dire. Et donc, ils en sont à 24 000 euros par jour aujourd'hui. Donc, ils sont passés sur un modèle qui est celui-ci, qu'ils sont en capacité de tenir, jusqu'à preuve du contraire. Mais ce navire coûtera moins cher en fonctionnement que ce que apporte aujourd'hui SOS Méditerranée pour le Ocean Viking. Qui plus est, on essaie de déployer des programmes. Là, on parle d'un programme qui est SOS Méditerranée à bord, pour chercher les embarcations en péril, et pilotes volontaires d'ailleurs, pour chercher les embarcations en péril, sauver des personnes. On travaille avec les hôpitaux de Marseille et réfléchir à la manière dont ceux-ci pourraient être engagés à bord, ce qui permet aussi de prendre une part du fonctionnement. On travaille avec sur le programme Missing Migrants, qui est un programme qui travaille sur les disparus en mer, et donc qui est aussi développé par un certain nombre d'universités, et donc c'est-à-dire le navire va pouvoir accueillir ce programme qui aujourd'hui ne se passe que sur le rivage. Ils ont besoin d'être en mer pour rencontrer les rescapés qui ont la mémoire de celles et ceux qui ont disparu. Et donc, comme ça, on déploie, et le travail qu'on fait là, on va continuer à bord, nous et d'autres, bien d'autres, pour continuer de dessiner ce navire. Et donc, en se disant aussi, peut-être que ces institutions réunies aujourd'hui, avec ce manifeste, qui sont 60, elles vont pouvoir cofinancer une part du programme, qui est un programme de recherche, etc. etc. Donc, on développe aussi la pensée de cet outil comme un laboratoire de recherche à plein d'entrées qui permettent d'abonder, disons, ou d'aider, d'épauler SOS dans son modèle économique. Est-ce que tu peux peut-être réexpliquer pourquoi ce navire il est différent des autres navires de sauvetage actuels qui sont bien adaptés ? Sébastien, tu veux que je te... Ouais, très bien. Alors, un des co-dessinateurs des navires, designer, architecte naval. Oui, designer, les architectes sont malheureusement pas là. Mais donc oui, j'ai soutenu un peu le projet. Donc, ce qui fait que Navire Avenir est un peu différent de l'Ocean Viking qu'on connaît aujourd'hui, c'est déjà que tout l'espace à bord est optimisé. On n'est pas sur un bateau qu'on a acheté. Un Ocean Viking, c'est un pétrolier, il me semble. En Supply, c'est un, 1980. Voilà, qui a été transformé pour le sauvetage. Donc il n'y a pas suffisamment d'espace. C'est un bateau très spartiate, on n'est pas protégé lorsqu'on est amené à bord suite à une opération de secours. Et donc toute la réflexion qu'il y a eu autour de ce navire, c'était comment repenser tout depuis zéro, depuis une feuille blanche, et comment répondre en fait à toutes les problématiques qui nous ont été présentées par SOS Méditerranée, par tous les rescapés, toutes les personnes qui ont effectué la traversée. Et voilà, donc ce bateau-là a permis de répondre à une grande liste de problématiques qu'on a eues, également de façon intelligente. On est sur des formes assez simples. Si vous regardez le bateau, il a un dessin qui n'est pas très compliqué, il a un dessin qui est assez symbolique, assez fort, mais c'est également puisque ça va être moins cher à la fabrication. Donc il y a toute une réflexion de travail derrière pour vraiment rendre ce navire faisable et réalisable. Voilà. Si ça répond à la question.
Tu peux parler des rampes, par exemple. Enfin, il y a des points très sensibles, comment on accueille. Oui, notamment à l'arrière, donc avec les deux rampes donc, qui sont, je peux vous montrer sur la maquette, qui sont donc, situées à l'arrière du bateau et qui vont faciliter en fait, l'accès lors des opérations de sauvetage. Donc, comme ça a été précisé avant, on a deux zodiacs de 10 mètres à peu près qui vont faire office de navette entre les zones de sauvetage. Et on a deux ribs qui sont des bateaux d'intervention rapide qui vont faire un peu la sécurité, rassurer les gens une fois sur place. Donc l'utilité de ces rampes, c'est de pouvoir sortir les personnes d'une zone dangereuse, donc qui est la mer. Et en toute sécurité, donc parfois, souvent, on a des femmes enceintes qui sont à bord, on a des enfants, il y a des personnes qui ont des blessures. Donc toutes ces personnes-là qui ne peuvent pas grimper sur une rampe pour monter dans le bateau alors qu'on a une forte houle, vont être directement débarquées au niveau du pont du bateau. Donc c'est pour ça qu'on a une rampe qui va permettre, grâce à un treuil, de venir hisser les embarcations sur le bateau mère. Voilà. Un autre élément. Après, il y a des équipements, l'hôpital de Bolti, hein, qui est pas mal, c'est en fait le pont suspendu, le pont refuge. Ça, c'était une réflexion avec la relation à la mer, en fait. La relation à la mer, comment on voit l'horizon et comment néanmoins on sort de cette relation directe avec la mer. Donc, de mettre le pont le plus éloigné de la mer, qu'il soit le pont du repos et du refuge, était une des composantes du cahier des charges premier. Le catamaran aussi, qui est la question de la stabilité en mer, ça, c'est aussi une chose. Et puis les équipements de l'hôpital, c'est aussi l'hôpital de bord, qui est un hôpital qui produit son propre oxygène et qui répond à des problématiques très très spécifiques, somatiques et psychologiques, et qui a fait qu'on a pensé, j'allais dire aménager, c'est pas encore le cas, mais penser les espaces tout à fait singulièrement pour de l'intervention telle qu'elle se nécessite et nécessite aujourd'hui par les polytraumas qu'on rencontre. Extra-construit où ce bateau ? Ça dépend, encore une fois, ça dépendra du chantier. En fonction de, une fois qu'on aura le budget de débloquer, c'est des chantiers qui doivent. Enfin, qui souhaitent aussi nous suivre dans ce projet-là et qui ont les capacités de les construire. Donc voilà, donc ça c'est pour la prochaine étape d'étude. Il faut qu'on ait l'argent pour pouvoir entrer en relation avec les chantiers. Et nous, il y en a quelques-uns qui peuvent le faire et l'équipe de Yann les connaît tous. C'est priorité à l'Europe, enfin au moins l'Europe. Ça peut être en. Alors c'est priorité à l'Europe. En fait. C'est plus complexe que ça, malheureusement, même si on souhaiterait toujours avoir une production qui est locale, en tout cas le plus proche possible. Si on veut être tout à fait réaliste pour construire un bateau, aujourd'hui, souvent, les grandes pièces sont fabriquées en Pologne, donc ça va, c'est quand même pas si loin. Ensuite, sont ramenées en Europe, donc, ou assemblées aux Pays-Bas, à Bordeaux. Voilà, il y a plusieurs endroits, plusieurs chantiers. En fait, ça dépend du chantier qui va répondre à l'appel. Et ensuite, il y aura toute une étude plus en détail sur comment on va construire et quels seront les différents partenaires pour venir assembler ce navire. Merci. Alors, ma question est celle-ci. Pardon. Oui, bon, donc il y a des questions qui sont posées par différentes personnes dans la salle et vous êtes plusieurs à avoir la compétence pour y répondre spontanément. Mais il y a quatre autres personnes qui sont sur la scène, qui ont accepté d'être, qui ont choisi d'être avec nous ce soir. Et peut-être moi j'aimerais beaucoup, si ça vous convenait, d'entendre ce que vous pourriez apporter comme témoignage, puisque vous avez choisi d'être avec nous. Le problème, on a un peu de problème, nous, parce qu'on est des anglophones. Donc, des fois, on ne comprend pas bien la question qui est posée. Mais alors, là, il n'y avait pas de question. Non, c'est juste, c'est vous dire, c'est pour vous.
pourquoi on n'a pas répondu à votre question. Parce que voilà, nous sommes des co-constructeurs de cette navire à venir. Et cette navire à venir aujourd'hui, c'est visé pour nous, les personnes qui traversent la Méditerranée. Donc, ça nous concerne beaucoup. Parce que nous, c'est grâce à ça que nous sommes là aujourd'hui. Parce qu'on a rencontré un bateau, voilà, avec aussi des gestes humains et des souris, et puis tout ça. C'est pour cela que nous sommes là. Donc là, nous, pour construire ces bateaux, pour nous, ce n'est pas un nouveau projet. C'est pour améliorer la condition de sauvetage à mer. Il y a des bateaux là-bas qui sauvent la vie. Et voilà, c'est ça. Comme vous voyez, les bateaux qui sont là-bas, il y a quelque chose de très important sur ces bateaux, déjà. Celui-là. Les bateaux qui sont là-bas, ils sont tellement, quand il y a les vagues, ça, tous les bateaux comme ça, après, les personnes qui sont là-bas, il y a des personnes qui ne sont pas habituées à ça. Après, il y a des personnes qui vomissent. Il y a des femmes enceintes aussi, ça va faire aussi des problèmes avec tout ça. Donc ça, c'est une des qualités, cette bateau, il est tellement stable. Voilà, c'est ça. Donc nous faisons partie de l'association des usagers de la PADA, de Marseille. C'est une association de rescapés, une association créée par les demandeurs d'asile. Nous favorisons l'entraide entre anciens et actuels demandeurs d'asile. Et nous, les anciens demandeurs d'asile, on a beaucoup subi des difficultés à Marseille ou à France. Dormir dans la rue, voilà, problème d'accès aux santé, problème de la nourriture. Voilà, il n'y a pas d'accompagnement, parce qu'à Marseille, il y a 5899 demandeurs d'asile domiciliés à la SPADA. Il n'y a que 1500 qui sont hébergés dans des hébergements ICS, le 115. Il y a plus de 4000 psychologues qui sont obligés de vivre dans la rue. Donc nous sommes des personnes qui ont vécu ces difficultés. C'est pour cela qu'on a dit, nous, on va regrouper et créer une association pour améliorer les conditions d'accueil des demandeurs d'asile à Marseille. Donc, on a des activités. Depuis la création de l'association, en 3 ans, mois de février 2020, on a regroupé plus de 1000 adhérents de 30 nationalités différentes. Donc, on a des activités que nous faisons. Il y a la permanence juridique pour aider dans la démarche administrative des demandes d'asile. Il y a une permanence accès aux droits sociaux pour voilà, accompagner les gens avec des statuts de réfugiés qui sont dans la rue. Il n'y a aucun accompagnement parce qu'ils vivent dans les squats. Donc, il y a aussi... l'apprentissage aussi de la langue française, parce que là, bientôt, ça va être obligatoire pour les migrants de parler voilà, français. Il n'y a pas de dispositif créé par l'État. Donc, il y a problème aussi l'accès à la nourriture. Nous, on a créé le marché rouge. La marché rouge, on a établi ça depuis le premier confinement de la COVID. Le marché rouge, c'est la distribution de colis alimentaires, des produits d'hygiène, de lait, des couches pour les bébés. Donc, voilà, parce que c'était un moment très dur, difficile pour les demandeurs d'asile qui vivent dans la rue, dans la squat, comment ils peuvent se nourrir, ils sont confinés quelque part. Donc, c'est pour cela qu'on a décidé d'établir ça. Donc, nous, c'est une association de l'entraide et solidaire aussi. On travaille avec plein des associations marseillaises. Voilà, et nous sommes aussi en lien aussi avec la mairie aussi et la préfecture, parce qu'au niveau des plaidoyers aussi, voir, essayer de changer pour être humain. Et il y a des lois aussi là-bas aussi qui sont là-bas pour protéger nous. Mais cette loi aussi n'est pas appliquée pour l'instant. Les droits, les demandeurs d'asile sont droits de travail 6 mois à partir de l'arrêtissement de leur récit d'asile à l'OFRA. Mais ça, c'est une loi bidon vide. Ça n'a jamais appliqué parce que quand tu vas à la préfecture, tu montes un dossier pour la régularisation et vont te demander à. Vous avez averti ça à Pôle emploi parce qu'il faut que vous te montre qu'il n'y a pas un Français qui peut faire ce boulot-là, c'est pour cela. Maintenant, toi, tu prends quelqu'un, il dit en situation irrégulière pour, voilà, pour travailler. Donc, nous, on connaît toutes les difficultés qu'on a rencontrées là-bas. Donc, c'est pour mettre notre expérience aussi, une force aussi, pour partager avec la construction de ces bateaux-là. On a vécu tout, on sait tout, on connaît tous les problèmes. Donc, c'est pour cela, nous, on fait partie de ce projet-là. Donc voilà, donc le projet, ce n'est pas juste aussi pour sauver aussi, c'est pour accueillir aussi. Donc nous, on a des assez structurés depuis 3 ans. On accueille, on a amélioré les conditions de vie de beaucoup de demandeurs d'asile. Parce que qu'est-ce que nous, on a visé, on dit en anglais, protection is better than cure.
Voilà, donc là, nous, quand tu fais une bonne demande d'asile, tu as un accompagnement, tu peux avoir la possibilité d'avoir tes papiers, donc tu ne peux pas te trouver en situation d'être sans papiers. Donc c'est pour cela, voilà, nous sommes dans ce projet. Et aussi, les personnes qui viennent aussi, oui, c'est vrai, il y a des migrants économiques, mais il y a aussi des gens aussi qui viennent parce qu'ils ont des problèmes de la guerre, comme les Ukrainiens qui sont venus. Voilà, il y a aussi des problèmes de religion, il y a aussi des problèmes de mariage forcé, il y a des problèmes d'exclusion, il y a des problèmes de sexual orientation, tous ces problèmes-là, ils sont là-bas. So, c'est ces problèmes-là qui forcent les gens qui viennent. Et vous avez tout vu, qu'est-ce qui se passe aussi, les problèmes climatiques en Libye. Ça, ce n'est pas à cause des migrants économiques ou quoi. Ça, c'est une catastrophe, ça, c'est quelque chose de naturel qui peut arriver même en France. On ne sait pas, parce qu'il est déjà en Amérique et d'autres pays. Voilà, donc là, nous, c'est pour cela qu'on pense que la construction de cette bateau, c'est très, très important pour nous tous. Donc, c'est pour cela, nous, on vous demande, on le construit. Parce que ça, aujourd'hui, c'est nous, mais demain, ça peut être utile pour vous. Donc, on vous appelle. Bon, merci pour tout ça, bien sûr. Je suis très... J'admire votre optimisme parce que vous allez demander à l'Europe de l'argent, une Europe qui devient de plus en plus brune, qui prépare des lois d'immigration absolument aberrantes, donc qui donne des millions et des millions à Frontex, à Libye, en Libye, en Italie, en Tunisie. Et donc, je ne sais pas comment... C'est... En Europe, qu'est-ce que vous allez obtenir? Voilà, Parlement européen, je ne sais pas. Ça m'émeut beaucoup, ça. Bon. Je rejoins la remarque de ma voisine. Vous évoquiez tout à l'heure le budget en disant quand on aura le budget. Vous avez dit tout à l'heure... à une dame qui parlait de financement, de faire support, d'apporter un autre financement que le financement citoyen, si vous avez des contacts à donner. Moi, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est qu'on a une présentation artistique faite par des artistes qui vont présenter ça à Avignon ou à Venise, mais qu'à aucun moment, je n'ai entendu des pistes sur comment réunir le budget. En gros, quelle multinationale on a approché, quelle structure de lobby on a mis en place vis-à-vis des députés pour qu'ils poussent les lois, quelle stratégie de crowdfunding. Vous nous avez dit tout à l'heure si vous avez des contacts. Vous nous avez dit quand on aura le budget. Mais monsieur, pour que, comme vous disiez justement, une réalité, c'est une fiction qui va aboutir, il faut mettre les mains dans le cambouis. Moi, je suis producteur de théâtre. Et quand on rêve au départ, on va mettre le cambouis pour chercher de l'argent. À aucun moment, je n'ai entendu parler d'entreprise, je n'ai entendu parler de lobby, un coût de fonctionnement de 24 millions, mais ça, a priori, je vais peut-être dire une énorme connerie, mais ça me semble coûter beaucoup, beaucoup plus cher que ça. C'est-à-dire, je n'ai rien entendu sur concrètement des pistes, un modèle économique, oui, je dis un gros mot, un modèle économique, parce que quand on est dans la réalité, on intègre le concret, on intègre l'argent. La dame disait justement, l'Europe est frileuse, mais quelle multinationale. Quel contact avec les entreprises, il n'y a rien eu de tout ça. J'ai une liste extraordinaire, mais voilà. Répondez-moi, mais je trouve mais vous m'envoyez l'idée de doux rêveur. Rêveur, oui, mais vous donnez-vous les moyens de fabriquer votre rêve. Allez chercher l'argent, ne dites pas, si vous avez des contacts, ce n'est pas à nous à vous donner des contacts. Quand on aura le budget. Désolé, je suis passionné. Aussi le partage de cette recherche-là. Je trouve ça très intéressant. Ben, moi, ce que j'ai reçu aussi ce soir, c'est de se dire que de la même manière qu'il y a le rêve collectif, si on a envie de rêver collectivement, on peut aussi chacun
Et si vous avez plein d'idées, et ben, moi, ce que j'ai entendu, c'est si on a des idées, si on, on peut aussi les partager, etc. Et moi, je trouve ça intéressant de, que la partie du financement soit aussi dans quelque chose de partagé. Et du coup, ça donne envie aussi. Enfin voilà, c'est juste pour retourner votre question. Moi, ce que j'ai entendu ce soir, je vais terminer. Je pense que en fait, c'est un début. Et moi, ce que j'ai entendu ce soir, c'est il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a beaucoup d'outils qui sont donnés. Et ça, et d'outils très concrets aussi. Et du coup, c'est aussi partager ces outils. Et moi, je me sens comment on dit en anglais, on dirait empowerment. En tout cas, on se sent capacité de porter ça. Donc voilà, c'était juste pour faire un, une petite voix dissonante à cet endroit-là. Là où c'est. Je pourrais dire peut-être aussi qu'on va se réveiller du cauchemar dans lequel on vit. Enfin, c'est pas un rêve en fait. C'est un cauchemar et que justement en faisant les uns les autres, parce que l'Europe c'est nous. Moi je suis aussi franco-péruvienne. L'hospitalité, ben, c'est moi, c'est nous. Voilà, donc on se réveille, on agit et on le fait. En fait, on est en train de le faire, on est là. C'est pas. Il y a l'année dernière ou l'année d'avant, je suis. Il y a eu les élections. Ok, ça a été. Bon, ben, je suis descendue chez moi, je suis allée faire le jardin avec les habitants dans mon quartier. C'est nous, non, c'est pas autrement. Hein. Voilà, alors je pense que c'est. Voilà. Moi aussi, je suis motivée, moi aussi, je suis. Non. Voilà, c'est moi, tout à fait un engagement qui vient du cœur également. Vous êtes dans le théâtre et tout à fait, en fait, la scène, je vais citer Edward Bond, qui, où on dit la scène est l'image du monde où les spectateurs jouent. Et c'est là, en fait, où sur ce projet-là, on est plein de professionnels. On vient un peu de partout. Et tout le monde, on essaye de tenir un bateau qui va permettre de créer un projet. Et en effet, si vous posez des questions sur comment on va construire le bateau, comment est-ce qu'on va, on va produire, où est-ce qu'on va trouver l'argent, alors aujourd'hui, c'est vrai que quand on voit 27 millions d'euros, 28 millions, eh bien en fait, ça a l'air des sommes assez importantes, alors que quand on regarde sur l'échelle des navires, là, en ce moment, on est sur un projet, un autre projet, qui a un trimaran qui s'appelle Vela, qui est un peu plus petit que Navire Avenir, et qui va coûter bien plus. À peu près sur les 30 millions. Et c'est un projet qui est en cours. Les financements ont été trouvés. Donc là, encore une fois, où on veut créer une communauté autour de ce projet, c'est que c'est un projet porté, c'est un projet citoyen, c'est un projet humain qu'on veut tous monter. Et petit à petit, plus le projet sera visible, plus il y aura un mouvement derrière ce projet également et des gens passionnés. Puisque vraiment, comme tu l'as dit, y a un besoin, un vrai besoin. Et donc on va continuer sur cette lancée et puis on trouvera petit à petit des gens. Moi je voudrais juste dire merci humblement. Je voudrais juste dire merci en fait. Prendre le temps de le dire peut-être 10 fois, merci, 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 merci. Une forme d'immense reconnaissance. Et un constat de dire que cette fiction, elle n'est pas en avance. C'est l'Assemblée qui écoute cette fiction qui est très en retard, en fait. Dire que moi, je viens de la rive sud de la Méditerranée et 1000 fois dans ma vie, j'aurais pu être aussi une femme sur une embarcation. Dire que le premier acte de ce navire à venir est déjà un acte de sauvetage en lui-même, la fiction qu'il nous donne. Moi, j'ai vécu ce discours, mais comme si c'était le discours. Et j'espère que dans 2 ans, je l'écouterai. Donc oui, dire merci et dire que à quel point les fictions sauvent. Et ce récit est un acte de sauvetage qu'il faut écouter. Et peut-être qu'on trouvera un autre moment pour parler de la stratégie de financement et des moyens de financer. Mais dire juste merci à ces gens qui ont eu le courage et l'imaginaire incroyable d'inventer cette fiction. Enfin, elle me sauve. Donc j'ai envie de dire merci. Si je peux me permettre à répondre à madame, l'Europe du sport, moi j'ai un espoir pour moi. Parce qu'il y a 10 ans, je n'étais pas là. Je ne connais personne, je ne connais même pas Sébastien. Donc on a fait la connaissance il y a 2 ans. Quand j'ai vu le projet, que ça, pour moi en fait ça tient à cœur. Parce que c'est très important. Il y a
7 ans, il y a 8 ans, j'ai passé de la Méditerranée. Je connais la Méditerranée, j'ai vécu moi-même. Donc, je sais que à quoi, c'est quoi, à quel l'enfer, à quel, c'est très, comment dire, c'est l'enfer sur la Terre. Parce que eux, la plupart, même il avait dit tout à l'heure, notre camarade, parce qu'il a cité, parce que la plupart qui part, en fait, ils sont les victimes. Aujourd'hui, je travaille, je suis un citoyen français. Je travaille à l'hôpital psychiatrie, j'ai fait ma tour, j'ai gagné tout, voilà, je suis tranquille, il n'y a pas de problème. Je ne travaille pas pour moi. Je travaille pour mes frères, pour ma famille, pour les personnes, les êtres humains, que les personnes que je ne connais pas. C'est important le projet. Donc les personnes qui m'ont sauvé, les personnes qui ne me connaissent pas, ils m'ont tenu la main, on me dit qu'on te donne une deuxième chance. Tout ce que vous faites parce que vous ou autres, pour les personnes qu'on ne connaissait pas, de donner une chance. Si après, on s'en fout, moi je m'en fous. Personnellement, la personne qui est sauvée, après, qu'est-ce qu'il va faire? Je m'en fous, ça me regarde pas. Juste la personne plus importante pour moi, en fait, qu'il soit vivant. Parce que la Méditerranée, il n'y a pas de moyen. Si je suis ici fatigué, je peux m'arranger comme ça. Je peux longer, je peux manger ou pas, je m'en fous. Plus important, la personne qui soit sauvée, il faut garder l'espoir, en fait. On a vécu en Méditerranée pendant une semaine. Et après, on est venu, en fait, on est vivant. On continue, il faut se battre. Si on laisse pour les personnes qui décident à notre place, bah parce qu'il n'y a pas de sport. Il faut garder le sport, toujours. Il faut rêver, aller à la Lune. Ils sont partis à la NASA, juste pour se réveiller. Il n'y a personne là-bas, en fait. Bah, il y a les personnes qui sont à côté de nous. Il faut les sauver. Peut-être qu'on a besoin d'eux. Peut-être qu'il y a des personnes, des architectes, peut-être qu'il y a des intelligents, peut-être qu'il y a des personnes qui savent ni écrire. Moi, je ne parle pas français avant que je suis arrivé ici. J'ai appris ici la langue française. Avec tous les compliqués, l'articulation de la langue française, ils m'ont dit qu'il faut la langue d'amour, il faut apprendre la langue pour parler avec les autres. Si je n'avais pas appris la langue, je n'aurais pas parlé devant vous. Donc, c'est important que je suis, de ma part, de contribuer quelque chose pour faire quelque chose. C'est important. Ce n'est pas quelque chose de rêve, c'est de concret. Il faut réaliser ce rêve, il faut garder l'espoir, tous ensemble, on va faire quelque chose. C'est un peu dommage de se mettre toujours d'accord sur ce pourquoi tout le monde est d'accord. C'est très bien d'accueillir les migrants. On voit bien que les 30 millions d'euros... C'est un deuxième sens de réaliser. Ce n'est pas seulement réaliser qu'il faut accueillir les migrants, c'est qu'il faut trouver... Alors, moi, j'avais un petit côté scientifique dans ma jeunesse. Alors, je fais depuis tout à l'heure... Ça fait 30 personnes qui donnent 1 million d'euros. Bon, ça ne va pas. Et donc, ce que j'aimerais, peut-être, sur lequel on pourrait avancer, c'est pour réaliser au deuxième sens du mot réaliser, pas réaliser qu'il faut accueillir les migrants, ça, tout le monde... Et d'accord, ici, c'est déjà pas tant de monde ailleurs. Mais comment on peut réaliser? Et à mon avis, le point qui manque, c'est le milieu, là. C'est-à-dire avoir... je vois pas 30 000 personnes payer 1 000 euros. Donc, et probablement, c'est ce que tu as évoqué déjà au début. Hein. C'est les deux extrêmes qu'il faut travailler. Est-ce qu'on peut avoir de 100, 300 personnes et institutions qui donnent des 10 000, 20 000, 100 000 euros, 1 million pour certains? Et puis, en revanche, avoir ce crowdfunding qui, en général, ne donne jamais beaucoup de choses. Mais s'il y a 100 000 personnes qui donnent 100 euros, c'est déjà rare. Arithmétique. Bon, on va peut-être devoir aussi libérer la salle à un moment donné, bien qu'on soit bien à moi. Juste un mot sur la question quand même de les cervelés artistes qui rêvent et qui n'a pas le sens des réalités. On part effectivement tous ces gens-là que nous sommes dans le réel et on en a entendu quelques éléments, quelques témoignages. Merci, parce que merci aussi, c'est-à-dire que la question, elle est comment on se saisit de notre puissance et notre capacité d'agir, quelle qu'elle soit, et donc c'est aussi nous autres, c'est-à-dire que moi je ne suis pas là et vous là, vous êtes producteur, pourquoi vous n'êtes pas là? Moi je suis juste politologue, j'ai rien à faire là, pour ce chantier naval, quoique j'ai à faire, mais je suis vous avez forcément à faire avec nous. Vous aussi, à l'endroit de vos compétences. Et c'est là que nous sommes 500, et les 500, il y a une part d'étudiants en design textile,
qui ne savaient pas qu'ils avaient quelque chose à faire pour un navire, et qui sont venus et qui font quelque chose pour un navire. Il y a un juriste, il y a de la place, quoi. Et justement, pour poser ces questions et pour bien y répondre. Et pour poser ces questions et pour bien y répondre, on a besoin de vous, on est allé en voir quelques autres, c'était un petit peu une boutade de dire si vous connaissez l'univers, quoique, effectivement, on a toujours besoin des millionnaires que connaissent nos amis, mais on y travaille. Donc il y a effectivement un board, le conseil d'administration Navire Avenir, qui travaille avec des personnes en fundraising, qui travaille notamment sur les hypothèses de la mobilisation dans le monde maritime, le monde artistique aussi, mais on ne parle pas, mais ne serait-ce que le monde maritime et le monde industriel, notamment, il y a des choses qu'il faut savoir, donc on va rentrer que le monde maritime, aujourd'hui, le plus gros du sauvetage est fait par le fret. Les navires de fret, donc CMA-CGM, c'est-à-dire les grands armateurs, milliardaires, CMA-CGM, et que pour faire cela, en fait, ils dépensent des sommes folles. C'est-à-dire que dérouter un navire qui est en Méditerranée, qui doit aller à Dunkerque, qui a rendez-vous à 10h40 samedi, et qui se déroute pour aller porter assistance, et il le fait systématiquement, il perd des sommes magistrales. Et donc, à partir de ça, c'est développé, en fait, un système d'assurance, et que les grands armateurs payent des assurances pour couvrir ces frais qui sont induits par le sauvetage qu'ils font, qu'ils ne le disent pas qu'ils font. Donc, par exemple, on travaille sur cette hypothèse. Il y a deux grandes associations d'armateurs en France et qui dépensent des sommes extraordinaires pour assurer. Et donc, alors que là, on n'est pas tout à fait à l'échelle. On n'a pas encore, on ne sait pas comment leur dire encore. Il faut qu'on arrive avec 100 navires et leur dire, nous, on vient, on fait le job. Et l'argent que vous mettez dans l'assurance, vous le mettez dans la construction de la flotte. Et donc, on fait ça. Donc c'est ce à quoi on travaille, par exemple, et donc on travaille avec des armateurs, quelques camarades qui sont armateurs à Aix, notamment, qui nous aident bien, pour essayer de construire ces relations et ces argumentaires avec ces multinationales, comme vous dites, ces milliardaires et ces millionnaires. Donc on y travaille. Mais ce que je veux dire, en fait, et ce qu'on veut dire là, c'est que c'est nous qui... On ne veut pas se confisquer la chose. Si CMA, CGM arrive et nous en achète 10, et tout ça, comment il va tenir ce navire? Et ce qu'on veut dire là, c'est qu'effectivement, on a le porté financièrement avec 10 euros, parce que c'est des manières de nous attacher à cela. Et ce navire, on va le construire ensemble, mais aussi, il faut qu'il tienne. Et il ne tiendra que parce qu'on est attachés tous, nombreux, nous autres, et pas le milliardaire qui est arrivé, qui a flanqué la flotte, et la flotte vogue. Non. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut qu'on parte de nous, de ce que l'on a, de ce que l'on est, et pour nous attacher. Et les fondations de ce navire, comme toute architecture, il faut des fondations, c'est nous. Alors, si vous voulez bien, on continue. Peut-être quand vous voulez, comme vous voulez. En tous les cas, peut-être on remercie une fois la Maison de la Poésie. Et merci une fois, et puis à bientôt, alors.